Quelques jours après la mort de Thomas Kingston, le mari de sa cousine Lady Gabriella Windsor, le prince William a décidé de se rendre aux obsèques du quadragénaire ce lundi 12 mars. Un moment émouvant, suivi par une crémation privée en plein cœur de Londres et surtout manqué par certains absents de taille. Âgé seulement de 45 ans, Thomas Kingston était retrouvé mort le 25 février dernier, alors qu'il était chez ses parents, et ce dernier a été incinéré lors d'une cérémonie privée, après une messe qui a rassemblé environ 150 proches dans St James Palace, en plein cœur de Londres. Amis et famille avaient notamment fait le déplacement pour lui rendre un dernier hommage, et on a pu notamment retrouver sur place le prince Michael de Kent, le cousin germain d'Elisabeth II, et sa femme la princesse Marie-Christine, les parents de la jeune veuve, qui étaient bien sûr venus la soutenir dans cette terrible épreuve, tout comme son frère Frédéric. Pippa Middleton, ex-petite amie du défunt, ne semblait quant à elle pas présente. Un